Hey, salut à tous, ici c'est Segalix, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo de Luigi's Mansion 3. Donc ça sera aujourd'hui le 13e épisode. On avait terminé hier l'épisode avec ce jardinier, on va dire, hein, jardinier fou. Voilà, qu'on a dû se débarrasser un petit peu avec la tronçonneuse. Alors du coup... Hop là, toi, erreur ici. Du coup, bah, on se barre de ce niveau. Alors, est-ce qu'on peut là? Non, on peut pas. Non, il faut faire le tour. Merde, c'est le bordel. Je suis coincé là. Voilà. Allez, on avait bien dépoilé cet étage. On avait même trouvé, si vous avez regardé la vidéo, hein, la vidéo... complète, on avait trouvé toutes les gemmes. Cherchez le nom quelconque. Toutes les gemmes de cet étage, donc c'est parfait. De toute façon, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, je ferai sûrement une vidéo astuce pour faire des ellipses sur l'emplacement des gemmes en question et la manière comment les avoir. Allez, on va découvrir l'étage numéro 8. Oh yeah. Donc il va nous en rester 6-7 nickel. Plus le fameux en bas là. Donc ça fait 8 en fait. Ok, donc on en est quasiment à la moitié. Allez hop. Pendant l'ascenseur les amis, j'en profite. N'hésitez pas, oui vous là. Vous là, oui. Oui vous là. Eh bien, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis comme ça, bah, ça me fera du soutien pour la chaîne. Et puis voilà. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, et puis à liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, on arrive. Nouvelle ambiance. Donc là, ça fait déjà le troisième étage sur lequel nous sommes vraiment dans une ambiance bien spécifique. Donc le dernier, je vous rappelle, hein, c'était... on avait appelé ça ambiance champêtre, hein, en pleine jungle. Avant, c'était l'ambiance. L'ambiance, c'était quoi déjà? Médiéval. Et là, nous sommes sur quoi? On voit les caméras à côté, les écrans. On peut dire cinématographique. J'arrive pas à prendre le cœur. Oh oh! C'est quoi ça? Ça reste les gemmes de ce niveau. Eh ben regarde donc. Première pièce et une gemme. Oh yeah. Alors... qu'est-ce que c'est? Attends, on dirait qu'il y a un truc là. On dirait qu'il y a un truc là-bas. Mais je ne peux pas... je peux pas y monter. Bon, eh ben tant pis, c'est pas grave. Et puis pourquoi il bouge ce bordel là? Bon, on s'en fout. Bon, bah ça commence bien, hein. Première. C'est même pour être sale, hein. Premier couloir, rôle d'entrée, une gemme. Ok. Oh, mais attends. Je n'ai pas révélé ce copier. Aurions-nous quelque chose? Je ne pense pas. Eh ben, regarde dedans. Qu'est-ce que c'est là? Hop hop hop, vous êtes passé où? Allez. Oh bah c'est un extincteur. Tout simplement. Bon, il avait donné un peu de thune, hein, tout simplement. Allez, on prend et on va monter bientôt. On va bientôt atteindre les 20 000 pièces. On est des fous. Tac tac tac. Tac tac tac. Alors, on va essayer de passer toute cette zone, hein, vite fait en passant. Voir si on a quelque chose à y découvrir. Bon, on peut voir, hein, des tas de tableaux. Alors après, je sais pas. Les allusions
Là, ça a l'air d'être un Super Mario, on dirait. Bon, bah là, on voit le monstre Boo. Et le reste, ça me parle pas. Et toi là, non, oui, toi là. Voilà. Alors, on va ouvrir ce capot. Et bien, ça, c'est une petite mission pour notre ami Gwiggy. Allez, mon pote. Bing, bing. Ok, donc il ramène la monnaie qui se trouve dans les tuyaux. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, et oui, on a quelque chose. Parfait. Bon, bah écoute. Pour l'instant, ça se passe. C'est que ça. Allez hop. On dévalise, hein, comme. C'est quoi ça? Et putain, tu sais quoi, je crois que je dis. J'ai enclenché un truc sans faire exprès. Putain, une nouvelle gemme? Oh là là! Pas peur. Gwiggy passe partout. Yeah, putain. Deux salles, deux gemmes. Elle est pas belle la vie? Tidim. Bon, bah écoutez les amis, moi ça me va. Okidoki. On avait laissé un lingot ici. Ah, une télé. Tac. C'est quoi? Il y a quelque chose qui est parti. Sur la caméra, donc la caméra, ce qu'elle filme, c'est ce qu'il y a là-bas. Je sais pas. Ah oui, on voit l'hélicoptère, exact. On peut faire quelque chose. Ah, petite cinématique. Qu'est-ce donc? Oh là là! Non, mais sérieux, on passe dans les fils maintenant. Et voilà, donc c'était bien, il y a bien quelque chose à côté de nous là. En fait, tu me ramènes là spécialement pour prendre la clé. Ok. Donc on fait des trucs de gudin avec Mario, par contre, on peut pas monter un simple escalier comme ça, hein. Bon, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on a ramassé la clé qui va nous permettre de partir sûrement de cette pièce. Et puis, eh bien, on peut utiliser des... On peut se balader entre des écrans. Donc, qu'est-ce qu'ils vont leur faire dans le niveau? On verra bien. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose à voir? Non, visiblement que dalle. Allez, let's go. Ah, notre première victime. Allez. Oh bah merde. Alors attends, c'est quoi comme monstre? Quelle tragédie! Bou, suis-je donc fini? Est-ce là tout ce que le destin m'a réservé à moi, Oscar? J'étais pourtant le réalisateur le plus talentueux de ma génération. Moi qui avais un avenir si prometteur, comment ai-je pu perdre une chose si précieuse? Je ne suis qu'un réalisateur minable, un raté, hein. Voilà la réalité. Même l'éclat de ce bouton n'est plus que fadeur. Oh, bouton numéro 2. Eh ben vas-y mec, sers-toi. Mon cher mégaphone rouge, où peux-tu bien être? Donnerais tout pour pouvoir tenir à nouveau mon cher mégaphone. Est-ce notre mission? Non, t'es sérieux là? Bah oui, je vais pas te respirer. Ok. Okidoki, Luigi.
Alors, c'est quoi ça? J'ai cru voir une voiture qui venait de se balader là, tout de suite maintenant là. Là. Alors, on prend le cœur. Je m'en la gratte. Tiens. Ah, mais il veut pas prendre le cœur, putain de merde. Ah, bah, lève-la. Merci. Ok. Je te fais un petit peu le ménage, hein, t'inquiète pas. Super réalisateur. Alors. Est-ce que. Il y a une pièce ici. Oui. Oh. Là-dedans, il doit y avoir automatiquement une gemme avec toutes les bobines. Alors attends. Serait-ce. Il y avoir là, toi. S'il te plaît. Oui. Putain. Allez. Non. Wow. Un paquet de bobines. Si, ce qu'on va faire, on va peut-être flasher ça. Non. Vidéoscopie. Ah, oh. Non, bon, ça, de toute façon, ça va le donner. Ah. Ça va le donner de la thune, mais ça. Je vais faire quoi que ça, moi. Je sais rien, moi. Oh, je vais pas péter ça maintenant. Allez. Il arrive. Ah ah ah! Petit Sanigo! On voyait le fantôme qui venait du fond de l'écran. T'es où? Viens voir là, toi. Donne-nous de la thune! La thune! Allez, bing. Ta merde. Oh, viens là, toi. Allez, zou. Allez, crash. Il y en a tellement que j'ai même pas le temps de tout aspirer, quoi. Un truc de fou. Bon, comme d'hab, hein. On aura foutu le niveau à poil. Bon. Non, ouais, ça casse à rien. Et ça y est, on a passé les 20 000. Alors, est-ce qu'on peut refaire le truc ou pas? Non, une fois c'est fait, c'est bon. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, les amis. Là, j'ai pas vidéoscopé. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Allez, on sort de là. Une première salle dépoilée. Alors là, on arrive donc du coup dans la salle principale où il y a le Gugus là, un peu en train de déprimer. Oh putain, les biftons. Et on voit qu'on a l'accès à 4 salles. Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est? Il est fou lui. Bah dis donc notre petit camoche, qu'est-ce que tu fous là-dedans toi? Cucu.
Allez, allez, de la thune, de la thune. Et de la thune. Toi. Alors, t'as, du coup, il en fout partout. T'as un temps fou à tout ramasser. Merde. Alors, ça. Ça, les amis, c'est obligé. Que nous ayons. Alors, j'ai vu quelque chose là-bas. D'accord. Alors, attends. On va monter là. Ok. Non, merde, oh, je vais me tromper. Alors, Gluigi, tu aspires. Ou tu souffles, on s'en fout. On change. Donc là, putain, oh, Vindu. Faut bien faire attention. Comment... Ouais, putain. Je suis pas serein du tout. Ok. Allez, on est des fous, on est un fou. On descend. Ah oh bah non, bah je peux pas du coup tomber là. Ah si. Aïe. Ok, ok. Alors donc, ça nous rappelle l'épisode de la gemme qu'on avait dû utiliser sur la plaque de gaz du cuisinier pour dégeler le glaçon. On dirait que c'est un glaçon, hein. Ouais. Pas logique, parce que bon, le glaçon, il fait pas non plus, je sais pas combien dans le studio, là. Ok, pas grave, eh bien, on verra bien si on trouve... si on trouve quelque chose de chaud entre ces quatre pièces. Oh. Allez hop. Tac. Merci monsieur. Oh là 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 là. Non mais. Petite vieille araignée de merde. Alors. Tac tac. Allez hop, à poil. On aspire tout. Oh putain, j'ai pas vu celle-là. Tac là. Ok. Donc là on se met bien encore. Bientôt 21 000. Claquer le bordel avec ça. Ouh là là. J'aime bien les araignées en or. Allez, on se... Ok. Ah, un écran. Oh, regarde donc. Putain, eh oh, tu te crois où toi? Tu crois que tu vas me toucher comme ça l'araignée? Ok. Alors là... Ah oui, on voit que c'est filmé, qu'on filme le vidéo machin là. Alors, attends, on va y aller par étapes hein, parce qu'il y a tellement de trucs. Là, je vois un truc que je sais que je peux ouvrir avec budget. Donc, on va pas se gêner. Ok. Allez, on ramasse les billets. En fait, on aura passé bien plus de temps avec dans Luigi. Apparemment c'est de la thune qui a tué des monstres. Facile, hein. Facile, facile, facile. Hop, viens voir là toi. Hop là. C'est quoi ça? Oh, c'est de la thune. Ah, Uji, regarde, ça doit être le mégaphone du réalisateur. On dirait qu'il est pris au piège dans ses toiles. Non, déconne pas, comment que t'as fait pour comprendre ça tout seul? Oh, je viens de voir une troisième gemme qui nous pend au nez. Allez, coucou mon ami Gluigi. Je te prie de passer dans le trou de la bouteille. Allez hop là.
Oh yeah. Et de 3, j'aime. J'aime bien, comment ça que j'aime. Allez hop. Alors, oh, c'est quoi ça? Putain, je pourrais... Tu devrais pouvoir récupérer les mégaphones en mettant feu aux toiles d'araignée. D'accord. Alors attends, déjà, à mon avis, je sais pas pourquoi, mais... Ok, donc, vous avez compris. Vous avez compris, évidemment. Oh bah, t'es pas obligé de tirer... Si, il veut tirer au même endroit. Ok, pas de problème, on tire au même endroit. Alors pourquoi je peux pas la tirer? Ah ok, je... Ah merde. Il y a un truc qui m'échappe. Bon, on verra ça plus tard. Peut-être qu'il nous suffit simplement de trouver le feu puis de lancer dedans. On verra bien. On va pas se prendre la tête avec ça. Ça veut pas se passer comme je veux. Peut-être que je fais une mauvaise manip. Tout simplement. Ça. On peut rien en foutre. Ok. Là, visiblement, il y a quand même pas mal de décors que... Oh mon dieu. Tiens, tout ça, c'est du pognon. Ok. Bon, bah, on va finir riche cette affaire. Hein. Ok, 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 moi je prends, hein. Allez, hop, 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 les biftons. Voilà, et on est bientôt à 22 000. La caméra, est-ce qu'on peut y faire... c'est pas la caméra, pardon. Non, ça. Ah putain, ouais. C'est trop chouette. Attends, je pense à un truc là. Yes! C'est ça qu'il fallait faire en fait, punaise. Là par contre... Non! Ok. Ok. Trop bien. Trop bien. Ah ok, en fait, ça, ce n'est juste... Ah, une fausse araignée. Bon, et tu la flash toi? Oui, ok. Par contre, où c'est que je vais trouver du feu? Il me faut du feu. Bon, on sait déjà comment accéder au mégaphone, donc c'est déjà une très bonne chose. Ok, donc ça c'est bon. On prend les lingots là, ok. Peut-être du feu là-dedans? Non, je dis là-dedans. Putain, mais il me fait chier! Non, ça marche pas. L'araignée. Non, l'araignée, de toute façon. Elle a aucune utilité, simplement sauf de nous faire peur que tel ça. Ok, donc on a compris. Voilà, comment accéder au mégaphone
Donc ça on est bon. Voilà. Si on touche la télé. Oui. Ah, ça nous allume la lumière au-dessus de la télé. Ok. Ok, ok. Alors, voilà pour le studio 4. Studio 3, on est parti. Allez, yes, c'est parti, max de pognon. Ça me fait penser au parc Disneyland, ces petits studios là. Qu'est-ce donc? Oh oh, ça c'est Monsieur Gem. Vas-y mon coco lapin, allez. Merde, 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 merde. Tac. Toi je t'aime bien. Toi je t'aime bien. Yes, yes. Et voilà. La quatrième gemme. Il nous en restait plus que deux. Tac, tac, tac. Là, on peut rentrer dans la maison. Il y a une échelle derrière. Ok. Putain, ça me fait penser que j'ai pas machinoscopé dans le studio de l'autre côté. Grave erreur de ma part. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à viser? Pour l'instant, on s'en fout. Ça, on peut détruire. Ok, on ramasse le pognon. Voilà. Alors, attends. Hop, on va faire comme tout à l'heure. On ouvre ça. Ok, donc là, on a rien d'autre que du pognon. Putain, le pognon. Allez, tac. Non, on trouve rien d'intéressant. Merde. Perdo. Bisous. Ok. Là, on flash. Donc, je pense que, en fait, il faut, pour valider, il faudra qu'on touche la télé, hein, comme on vient de faire. Juste avant. Alors, est-ce qu'on doit faire pareil? On visuel. Du feu. Ok, bon. Ok. Ok. Ok, donc seulement qu'il faut pas les laisser comme les tuer, ce couillon là. Putain. Ah putain, puis c'est de l'eau en plus. Allez, je suis con. Oh les coco lapin là. On se calme la nouille. Non. Hop là. Viens voir là toi. Viens voir là, je t'ai dit. Allez, hop, hop, hop. Allez hop, allez, tit. Merci. Et là c'est bon, on fera très bien. Sauté. Donc par contre, la grosse tête du chien là. Ok.
Allez, allez, allez. On sait que les gros, il faut les chercher et venir les aspirer par derrière. Et voilà. Hop. Bon, ils sont assez simples. Ils sont imposants par leur taille, mais ça, on s'en fout. Et voilà, mec. Oh yeah. Comme dirait notre ami Luigi. Bon, on ramasse le pognon. Voilà, on peut passer, nous. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh non, je vois rien. Ah bah non, il peut pas monter à l'échelle, lui. Il est sérieux? Ah oui, il est sérieux. Du coup, on a du feu. Donc, ça, c'est bien beau. Mais il faut que je trouve quelque chose qui me permet de prendre le feu. Alors, là-dessus, non. Non. Bon, eh bien... Moi, je vois rien. Je peux pas passer là-bas. Je peux pas rentrer. Non, je peux pas rentrer là-dedans. On va. Alors, Luigi, ce bateau est en feu. C'est exactement ce qu'il te faut pour brûler les toiles d'araignée. Non, déconne. Il faut juste que tu trouves de quoi transporter le feu jusqu'à l'autre plateau. Donc, chose que l'on trouvera, je pense, dans un autre plateau. Par contre. On va monter là. À moins qu'on les trouve là-haut. Hein. On a encore accès là-haut. Ouais. Non. Ou à moins qu'il faut le faire apparaître, tout simplement. Non. Quelqu'un qui tape, on dirait. Alors. Faut qu'on visionne un peu partout. Est-ce qu'on peut rentrer dans la maison? On peut rien y faire. Alors on a juste une pièce là, ok. Alors là c'est pareil, on peut rien y foutre. Non. On n'a rien. Oh my god. Allez, toi, on t'a déjà payé. Bon bah j'espère que quand on reviendra avec notre ami Luigi, on pourra se retaper les monstres. Hein. Quand on regardera de nouveau, je veux dire, dans la caméra. Non bah c'est bon, hein. Allez, hop, on va... Ouais c'est bon, allez. Hop. Et voilà. Et bien les amis, on va arrêter là pour cette vidéo. On en est déjà à presque 35 minutes. Hein. Donc j'espère que le début de ce 8e niveau vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à la partager. Et puis bien évidemment, pour soutenir la chaîne, à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien rater en plus des prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. C'était Segalix.